Oui, tout à l'heure, effectivement, j'ai entendu, j'ai suivi véritablement avec beaucoup d'attention ce que l'enfant plaidait. Évidemment, c'est un séminaire qui vient en son heure. Moi, surtout, je suis maire, donc adjoint au maire, mais en ma qualité d'éducateur, je suis enseignant. Donc, je suis très sensible à ce que cet enfant venait de dire. Effectivement, dans la planification, dans l'élaboration des budgets, nous, dans la commune de Nampore, on tient beaucoup d'importance à ça. On intervient véritablement sur ce domaine. C'est vrai que ça ne peut pas suffire, mais on essaie de faire le maximum possible. À travers les dons de fourniture que nous faisons chaque année. Il y a aussi au niveau de la santé, nous intervenons pour que l'enfant puisse être traité, être soigné, pour qu'il puisse s'épanouir véritablement. Au niveau aussi de l'état civil, on fait beaucoup d'efforts. On essaie d'encourager les gens à déclarer nos enfants pour ne pas qu'ils aient des problèmes comme ceux que nous connaissions auparavant. Donc, les droits de l'enfant, on essaie d'en faire. Et je pense qu'à l'issue de ce séminaire, on va encore plaider davantage pour que la chose soit mieux encore suivie. Parce que l'enfant, c'est la frange véritablement la plus importante pratiquement de notre vie. Parce que tout ce que nous faisons, nous œuvrons pour le bien-être des enfants. Un enfant, c'est une catégorie dans la vie. L'enfant occupe une place très importante dans la vie de l'individu. Donc, c'est pourquoi, véritablement, on essaie de faire beaucoup d'efforts et je pense qu'on va encore plaider de manière à ce que ça soit encore plus en vue. On essaiera d'intervenir auprès des conseillers pour que cette question de l'enfant soit encore mieux traitée. Ils encore quoi?